Donc, je suis Frédéric Thibault, je suis le directeur général de La Croix Electronics Tunisie. La Croix est une EMS, donc un sous-traitant électronique pour les secteurs de la domotique, l'automobile ainsi que l'aéronautique. Alors, nous sommes en Tunisie depuis 2005. L'origine du projet a été de suivre notre principal client qui est en France, qui venait s'installer en Tunisie. Et donc, nous, on l'a suivi et on s'est installé tout près de lui, à Zriba. Depuis 2005, nous nous sommes développés, d'abord par d'autres clients industriels, puis par l'aéronautique que l'on a mis ici, qui me fait employer à peu près une centaine de personnes, et depuis récemment aussi, maintenant l'automobile, puisque nous avons obtenu la certification ISO TS. Ce qui est clair, c'est que le climat social a beaucoup changé. Le management était complètement différent, beaucoup plus directif. Maintenant, les employés sont très demandeurs de respect, commencent à avoir des revendications, parfois un peu mal demandées, mais je mets ça sur le fait qu'ils n'ont pas non plus des années d'expérience de syndicale, en fait, comme en France. Mais on y arrive, on arrive à les raisonner, ça va beaucoup mieux maintenant depuis 6 mois, 1 an. Et ça se passe beaucoup par la communication, explication, et maintenant on a maintenant un dialogue social normal, on va dire. Donc pour ce forum, je pense que c'est très intéressant de rencontrer d'autres entreprises françaises ou de sociétés qui sont en France et qui veulent s'implanter ou en tout cas vendre, investir dans le marché tunisien. Donc c'est beaucoup de contacts et d'échanges avec mes homologues. Alors je pense que la Tunisie a beaucoup d'atouts. C'est un peu le pays low cost de l'Europe. On n'est pas très loin de la France, notamment, on n'est qu'à 2 heures d'avion. Nous avons même des clients qui produisent en Chine et qui viennent nous voir parce qu'ils veulent rentrer dans la zone euro, parce que nous sommes capables de vendre en euros aussi en France. On trouve ici une main-d'œuvre qui est plutôt bien, très bien qualifiée, des coûts de production qui sont d'un pays low cost, c'est-à-dire qu'on est compétitif, pas suffisamment par rapport à la Chine, mais en tout cas par rapport aux pays de l'Est de l'Europe, on arrive à tenir les coûts. Donc venez, stabilité est retrouvée, donc il n'y a pas de souci. J'encourage les gens à investir en Tunisie.